Salut tout le monde, c'est Gamasama. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MHA Ultra Rumble pour une vidéo test d'un nouveau perso qui vient de sortir, qui est Overhaul, un perso que je kiffe beaucoup, que j'aime beaucoup son design, que j'aime bien. C'est vraiment un vrai méchant comme on aime. Il a été vraiment emblématique dans la saison 4, je crois, si je me dis pas de conneries. Qui a quand même, Izuku a quand même battu avec Iri. Dire quand même, il était assez balèze comme méchant, avec un bon design, avec un alter qui est vraiment assez fort. Et dans le jeu, bah, il est type soin, un peu étonné, mais pourquoi pas. Du coup, on va aller tester dans cette vidéo ce perso. J'irai sans doute invoquer un peu à la fin, parce que c'est un perso qui me hype, mine de rien. J'avais invoqué sur Mirio, on avait invoqué un peu, on invoque un peu en ce moment beaucoup, mais après Overhaul, je pense qu'on n'invoquera pas avant Negire, voire peut-être Aux. C'est un peu les deux prochains persos qui m'hype le plus après Overhaul, qui sont Aux et Negire. Mais Overhaul me hype pas mal. Alors j'avoue que je pense claquer peut-être 3-4 multis, c'est possible. Au moins tenter ma chance. En plus, sur le portail, il y a quand même Twice et L4-1 qui sont très intéressants, que je n'ai pas. Alors pourquoi pas tenter ma chance, on sait jamais. Mais voilà, aujourd'hui, on va déjà commencer par tester le perso. Et après, on ira éventuellement... On ira éventuellement invoquer. Attendez, il faut juste que j'aille dans les paramètres parce que je crois que j'ai on peut m'entendre mais j'ai pas forcément envie. Désactiver. Voilà. Parce que, ouais, la dernière fois je l'ai activé lors du bas de la dernière fois en live. Je sais plus si ça se gardait au moins. C'est vrai que j'ai oublié, j'ai rien y pensé, mais ce que ouais. J'ai pas envie que les gens m'entendent non plus. J'ai pas envie que les gens. J'ai pas envie d'entendre les gens non plus. Tout simplement. C'est bon. Ah non, c'est toujours actif. Regarde. Voilà. Bam, ça c'est bon. Allez, c'est parti, on va laisser le perso. Du coup, voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à partager, à vous abonner si vous aimez le contenu. N'hésitez pas aussi à rejoindre YouTube. On fait mercredi, vendredi des vidéos. Pour aller, il y aura sans doute un live prochainement aussi pour jouer Overhaul si on le drop dans les invocations. N'hésitez pas aussi à rejoindre d'autres réseaux, si le Twitter, on fait Twitter X comme vous préférez, on parle d'actualités jeux animés. N'hésitez pas, ce serait toujours plaisant. N'hésitez pas aussi à rejoindre Twitch, on live souvent le dimanche à 15h, mais des fois ça peut être le samedi, ça dépend si je peux pas le dimanche. Et n'hésitez pas à rejoindre TikTok. On fait des 2 à 4 TikTok par semaine. Voilà, n'hésitez pas. En ce moment, c'est plus des edits. Mais peut-être un jour, ce sera autre chose. On ne sait pas. On verra dans le futur. Mais voilà, c'est parti. On va aller jouer Overhaul. Je suis super content. Je l'attendais beaucoup, ce perso. Parce que j'aime beaucoup Overhaul. Du coup, ça fait plaisir de l'avoir. C'est vraiment un méchant que j'aime beaucoup. Je préfère largement Overhaul en termes de méchant stylé que le 4-1, puisque le 4-1 n'est pas c'est un bâtard, oui, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il n'est pas stylé. Le 4-1, je le trouve vraiment pas stylé, il est vraiment même très moche. Overhaul, il a le flow et c'est un méchant incroyable. Oh là là, oh, comment il se déplace. Oh là là, je sens que ça va être le banger. Alors j'espère pas mourir trop vite parce que j'ai envie quand même le découvrir pas mal. Oh là là. Ah, je suis trop content. J'avais trop peur que ce soit pas lui le prochain perso. Parce que de base je me suis dit peut-être que ce sera pas Overhaul. Je sais pas, des gens disaient que ça souhaitait soit Overhaul ou Prison Mike. Et au final ça a été Overhaul. Parce que Prison Mike, j'avoue que la hype elle est zéro. Je n'aime pas. Pas forcément le personnage, même si c'est le pote d'Eizawa, ça reste un perso que je trouve vraiment pas forcément intéressant. Ah, laisse-moi découvrir mon perso, j'ai envie de me faire plaisir avec. J'ai envie de découvrir le gameplay. Il y a moyen qu'il soit très fort, parce que dans l'animé, c'est vraiment un perso qui est vraiment très fort avec son alter. Alors je pense mécaniquement, il va être assez fort le perso. S'il vous plaît, qu'il n'y a pas trop de monde, je puisse être tranquille pour le découvrir.
Oh, ça va, y a pas trop de monde. En vrai, je vais aller, je pense, à la zone nature. Juste à côté. Pour aller me loot. Et en même temps, on va voir un peu son gameplay. Allez, c'est l'heure de découvrir le gameplay de Monsieur Overall. Ok. Allez, c'est parti. Alors, on va tester vite fait ses touches. Parce que je sais pas ce qu'il fait. Ok, ça c'est un truc pour lancer. Oh putain, ça a l'air violent. Hein. Ah, ça en touche beaucoup là. Ah ouais, ça fait une petite zone. Et l'autre. Ouh, ça a l'air pas mal tout ça. Et après, sur R2, je sais pas trop ce que c'est. C'est un boost, je crois. Ou c'est un soin, je sais pas trop. Ah, je crois que ça m'a donné du chill. Ça donne du chill, je crois. Ah, je sais pas trop. Mais ça a l'air pas mal, hein. Le perso a l'air vraiment pas mal. Je pense qu'il y a moyen de faire des gros dégâts avec. En vrai, combo avec Tomura, ça peut être vraiment pas mal, hein. Il y a moyen de faire des grosses choses avec le perso, je pense. Il y a moyen de se faire plaisir. Je pense que ouais, il y a vraiment moyen de faire des gros trucs. Alors je sais pas, je vous dirai en pas, comme j'ai dit, je suis pas forcément un giga bon joueur. Je suis pas forcément le meilleur joueur à jouer à ce jeu. J'y joue pas si souvent. À part en vidéo, des fois en live, ou des fois juste avec mes potes, mais c'est pas forcément tout le temps. Je suis loin d'être très bon à ce jeu. J'y joue pas assez pour être bon. Mais ça fait toujours plaisir de faire une petite vidéo sur un nouveau perso. Le tester, éventuellement l'invoquer s'il me plaît. Là, overall, il y a moyen que je pull quand même un peu. Bon, je vais pas all-in parce que c'est pas le perso non plus que j'attends le plus. Comme je dis, je préfère Negire comme perso. Mais je suis content parce que j'avoue que c'est un perso quand même qui donne quand même envie. Ça marche pas. Oh, je sais plus c'est quoi la touche. Voilà, j'ai oublié les touches. Je m'en rappelle plus déjà. Du coup, voilà, vous attendez pas du super gameplay. Hein. Je suis loin d'être le joueur ultime chez Ultime. Mais j'essaie de faire mon mieux parce que j'ai quand même envie d'essayer de faire des kills avec et tout. Après, je pense qu'il y a moyen que ce soit un peu plus simple que Mirio. Parce que Mirio, le problème, c'est qu'il est bon. Mais c'est pas du tout mon style de perso. C'est trop perso rapide et ça joue trop sur la rapidité vu que c'est un perso bleu. Je crois qu'il est bleu, je crois Mirio, je dis pas de conneries. C'est un perso rapide. Lui, c'est un perso healer. C'est déjà un peu plus intéressant comme perso. Ça me plaît plus. Ah. J'ai vu quelqu'un. En termes de vie, c'est là compliqué. Là. Ça va être facile. Hein. Surtout que, en fait, le problème, c'est quand tu joues un perso que tu ne connais pas, c'est encore pire. Ouh. Ah oui, il y a moyen de faire des gros trucs avec le perso. Il y a moyen de faire des dingueries avec le perso. Hein.
J'ai un peu de mal à jouer, j'ai vraiment du mal à jouer le perso. Ça te voit que je l'ai jamais joué. Oula! Mais en vrai, il y a moyen de faire des dingueries avec le perso. C'est juste le problème, c'est que c'est soit tu t'en avec des bons joueurs et tu t'en sors, soit tu joues avec des joueurs de merde qui savent pas jouer. Et surtout que moi, j'ai jamais joué le perso. Du coup, c'est encore plus compliqué. Mais il y a moyen de faire des giga dingueries avec le perso. Wow, le perso, il a vraiment fort. Le perso, il a l'air giga fort. Comboter avec un Dabi ou un Tomura, ça peut être tellement cancer, le perso. Même un Forerunner, ça peut être vraiment très cancer parce que le Forerunner, il rapproche l'ennemi. Là, tu lui mets une balayette dans la gueule. Donc. Après, tout seul, je pense que c'est sympa. Mais c'est pas, j'irais pas gothir. Mais avec des persos bien cancer, ça peut être vraiment très fort. Le perso, il peut être vraiment très fort, très chiant. J'aime beaucoup. J'avoue que ça m'hype encore plus de poule. En vrai, il y a moyen de faire des dingueries. Et éventuellement, le jouer en live prochainement. J'ai envie de me faire plaisir. On va aller en invoke. Malheureusement, je peux jouer qu'une fois, c'est ça le problème. Malheureusement, je peux pas me permettre de jouer plus. Et en plus, sa tenue là. Oh putain, qu'est-ce qu'il est stylé comme ça. Oh là 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 là. Il fait rêver. J'ai combien de tickets? Vas-y, on va faire, je sais pas, les 3-4 multi, je pense. On va tenter malchance, on sait jamais. En tout cas, de ce que j'ai vu, ouais, le perso il a l'air vraiment exceptionnellement fort. J'ai envie de faire le bourrin avec. J'ai envie de tout casser avec. J'espère le dropper. Parce qu'en vrai, j'aimerais vraiment le jouer plus. Hein. Perso, il me plaît bien. Bon, bah, je crois que ce sera bien dans cette multi. C'est une multi qui pue du cul. On a beaucoup de trucs nouveaux, on va voir. Allez, je fais ouais, grand max, ouais, 2-3 multi. Parce qu'il faut quand même que j'en garde pour Hawks. Et faut surtout que j'en garde pour Negiré. Même si Negiré ne sortirait pas avant un moment. Allez, on va dire ouais. On va dire 3. Allez, 3 multi. 3. Attends, je réfléchis. Ouais, allez. Ouais, vas-y, 3 multi grand max. Je parie non plus all-in sur le perso. C'est un perso qui me plaît bien. Mais c'est pas le perso qui me hype le plus du jeu. Je le sens bien. Ah, Chaco peut-être, va peut-être me donner du bonheur. Le Chaco va peut-être me donner du bonheur, me faire dropper ce perso que je veux. Est-ce que ça drop? Je crois pas. Pas de... Oh, s'il y a un truc. Oh là, je suis ultra. Allez, s'il te plaît, le jeu. All for overall. Overall, s'il te plaît. Oh, t'aimerais trop de l'avoir dans ma box. Pour Mirio, pourquoi pas, je l'ai. Mais j'arrive pas à le jouer, Mirio. Mais lui, il y a moyen de déjà le jouer. C'est juste que là, c'était ma première game. Forcément, je m'attendais pas à comme ça. En fait, le problème de ce jeu, c'est que le gameplay du perso, c'est un peu dur au début de le prendre en main. Parce que vu que c'est là, c'est la première fois que je le joue. Mais après, quand tu commences à le connaître, le perso, ça passe super bien. Mais là, lui, avec lui, je peux faire, je vais faire des dingueries avec. Hein. Ah, c'est un costume. Ah, un costume pour Chaco. Ok, pourquoi pas? Je crois que. Ouais, Chaco, il est pas mal à jouer. Hein. Peut-être que je fasse une vidéo prochainement, la jouer au Chaco. Si ça vous intéresse, pourquoi pas faire une vidéo avec Chaco en Schoolgirl, écolière, comme préféré. Si ça vous intéresse, bien sûr, vous voulez une vidéo sur ça. Je dirais pas non, hein, si ça vous fait plaisir. Vous le dites dans l'espace description, des commentaires. Et je verrai, je le ferai. Le cas. Allez, dernière chance. Je sais pas. Ah, soit c'est du Sekirishima et j'en ai rien à branler. Alors si c'est Sekirishima, je m'en bats les couilles. J'en veux pas. Ah, y a rien. En fait, je crois y a rien. En fait. Ah, quoique, quoi, avec ses dents. S'il y a un truc. Ouais, mais si ça se trouve, il va me donner Kirishima et j'en ai rien à foutre de Kirishima. Costume. Ah ouais, tenue pour Kirishima. Kirishima, j'aime pas du tout ce perso. Ok, vas-y, j'en refais une dernière. Allez, j'aime pas le chiffre 3. Allez, on finit 4. On fait une quatrième, une dernière. Je le sens bien, hein, je le sens bien, je le sens, j'ai envie de l'avoir. Comme ça, il me restera 7 multi. Comme ça, j'en garde quelques. J'en garde de. Bah, juste pour. De toute façon, oh, je compte sur toi. Oui, s'il te plaît. Oh, ce serait trop beau, je le drop plus. Comme ça, on le fera en live prochainement. J'ai envie de le découvrir plus. J'ai trop envie de le jouer. Je kiffe le perso. Vas-y, fais-moi plaisir le jeu. Fais-moi plaisir. Vas-y. Vas-y.
Y a pas. Alors je sais, ça peut switch en vrai. Ça peut switch en vrai, j'y crois. Ouais, j'aimerais vraiment le jouer plus. Comme je dis, à part Hawk, c'est Néjiré, c'est vraiment les deux autres persos qui m'hypent le plus après. Après les autres persos, je m'en fous complètement. Je vais pas les invoquer les autres persos. Emote. Ah, provoque. Et j'ai pas le perso. Allez, un switch. Allez, allez, un petit switch. En plus, je sais que ça existe. J'ai déjà eu. Allez, s'il te plaît. Non. S'il te plaît. S'il te plaît, je le veux. J'aime bien le perso. En plus, je l'ai deux fois, lui. Switch. Oh. Malheureusement, il n'est pas tombé. Malheureusement, il a pas voulu. Malheureusement, il a. C'est tant pis. C'est comme ça. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des grosses, des dingueries avec le perso. Il y a moyen de faire des trucs de fou. Tant pis, c'est comme ça, on l'a pas eu. J'aurais aimé le dropper, mais il n'est pas tombé. Il y a moyen de faire des bons trucs avec le perso. Il y a moyen de bien s'amuser avec. Je pense que le perso peut vraiment être très cancer. Mais le problème, c'est que je pourrais pas le jouer parce que je ne l'ai pas droppé. Il reviendra dans des portails quand il y aura Hawks ou Néjiré. J'espère qu'il sera de présent dedans pour essayer de tenter de le choper. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est comme ça. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Dites-moi ce que vous pensez de ce perso. Pour moi, il est vraiment exceptionnellement fort. Il y a moyen de faire des dingueries de fou. Avec des combos comme Tomura, All for One, Dabi, ça peut être vraiment exceptionnellement cancer avec ce perso. Je dirais pas que c'est le perso le plus fort du jeu, je pense pas, puisque le For One reste bien plus cancer, bien plus chiant et bien pire. Mais je pense que c'est un très bon personnage. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ce perso, si vous l'avez invoqué, si vous l'avez droppé aussi. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à rejoindre tous les réseaux que j'ai cités. Ils sont tous dans les descriptions. Vous n'avez aucune excuse de ne pas les rejoindre, ils sont tous dans la description. Allez, c'était Gamma. Tchuss!